Excellences, mes révérends pères, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il me revient comme tout jeune curé de Saint-Raphaël et donc tout jeune président de l'association de vous présenter très brièvement ce quatrième colloque de la basilique. Je voudrais tout d'abord rendre hommage à Dom Bruno, curé précédent, qui est aujourd'hui curé de la cathédrale de Châlons-en-Champagne, qui a eu l'intuition et l'initiative de ces colloques. Il a eu l'intuition que Notre-Dame de la Victoire n'était pas simplement un titre évoquant des événements passés, mais que pour nous chrétiens aujourd'hui en France, cela avait encore du sens et cela pouvait éclairer l'avenir. Donc je voudrais vraiment, en votre nom aussi, rendre cet hommage à Dom Bruno Atuy. Je voudrais rendre hommage aussi à Michel Cam et à tous les membres de l'association qui permettent, bien maintenant depuis 3 ans, la tenue de ces colloques. Colloques, vous le voyez aujourd'hui, où on vient de plus en plus nombreux. L'actualité brûlante depuis quelques mois avait été, je dirais de manière providentielle, anticipée par les organisateurs quand ils ont souhaité, après 3 années d'études sur le christianisme européen, hier, aujourd'hui et demain, s'ouvrir à la question de nos frères chrétiens d'Orient. D'où le titre qui ne paraît pas brûlant en apparence, mais dont la réalité, je crois, l'est, le christianisme méditerranéen à l'épreuve de la nouvelle question d'Orient. Très brièvement, je voudrais saluer nos intervenants principaux, Monseigneur Benjamin Slimane, archevêque de Bagdad, que j'ai eu l'occasion au Puy-en-Velay, il y a quelques années, d'accueillir à la cathédrale lors d'un 15 août. Je voudrais saluer Monseigneur Kass Moussa, vicaire patriarcal pour les chrétiens syriaques catholiques. Je voudrais aussi saluer le Père Samir, ainsi que le Père Fadi, qui vont à leur tour nous témoigner de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ont vécu parfois, de la réalité douloureuse, mais aussi peut-être d'une réalité pleine d'espérance. Pour que nous vivions bien ce colloque tous ensemble, il nous a paru porteur de sens de vous présenter une petite vidéo réalisée par Dom Bruno, juste avant de partir, eh bien, qui retrace un petit peu ce qui s'est vécu lors des 3 colloques précédents. À tous et à toutes, je souhaite une belle journée sous le regard du Christ. Je voudrais juste ajouter, avant qu'on lance la vidéo, à la demande de plusieurs personnes de la paroisse ont souhaité faire, en plus du colloque, un geste concret pour les chrétiens d'Orient. Donc nous avons eu le temps, en quelques heures, de nouer un tout petit partenariat avec l'œuvre d'Orient. Et donc vous trouverez à l'entrée une urne où vous pourrez, si vous le souhaitez, eh bien, déposer une offrande qui ira via l'œuvre d'Orient aux chrétiens d'Irak pour les situations les plus urgentes. Merci si vous pouvez participer à cette générosité. L'association Les Amis de la Basilique Notre-Dame de la Victoire est à l'origine des congrès de la Basilique. Elle propose une réflexion sur l'Europe d'hier et de demain, invitant le public à prendre conscience des racines et de l'avenir chrétien de notre vieux continent. Intégrée à la fête de Saint-Raphaël, ces colloques permettent d'associer une réflexion de qualité à une démarche spirituelle que prolonge la découverte d'un lieu exceptionnel où il fait bon vivre, la commune de Saint-Raphaël. Un cycle de colloques consacrés à l'Europe couvrant 3 années.
Cette démarche de réflexion est d'une certaine manière analogue à celle d'un médecin se penchant sur le cas de son patient. Ainsi, sous la présidence du cardinal Canizares et grâce aux intervenants de niveau international, nous nous sommes penchés sur les origines historiques de l'Europe moderne. Savoir d'où elle vient permet de mieux cerner son identité. Conduite par Michel Fauquier, Mgr Bernard Ardoura, Roberto Di Mattei et Annie Laurent, l'étude histologique nous a fait découvrir une Europe dynamique, combative face à l'islam conquérant des Turcs, mais fiévreuse et prête à éclater sous le coup de boutoir de la philosophie des Lumières et des nationalismes particuliers qui cherchent à muter l'ADN spirituel d'une Europe génétiquement chrétienne. Après l'examen des antécédents familiaux, le moment du diagnostic. Notre second colloque a posé alors son regard sur l'Europe contemporaine, avec une question. Marque-t-elle la fin de la chrétienté de la foi? Pour le professeur Émile Poula, la notion de chrétienté subsisterait d'une certaine manière dans l'influence transnationale de l'Église catholique contemporaine. Aux yeux de beaucoup, l'Europe semble atteinte d'un mal aux apparences bénéfiques. Mais celui-ci la conduit vers un totalitarisme de la pensée unique et l'esclavage d'une anthropologie pervertie. Droits de l'homme, laïcité, sont des notions loin d'être sibyllines dès qu'on en perçoit la tessiture idéologique. C'est une nouvelle religion sans Dieu qui cherche à s'imposer. Un véritable nettoyage ethnico-religieux contre les chrétiens de souche. Dès lors, la question chrétienne en Europe tend à devenir une question taboue et anti-citoyenne. À cela s'ajoute l'entrée dans une phase de développement durable au sein des démocraties européennes de l'islam qui vient s'implanter là où le christianisme est méthodiquement déraciné par le fondamentalisme laïque. Si nous conservons notre analogie thérapeutique, nous arrivons avec ce troisième colloque à la phase du traitement et à celle du suivi médical. Quel avenir pour les chrétiens en Europe et quel avenir pour l'Europe elle-même? Entre ouverture et résistance, nous devons être sûrs d'une chose. L'Europe ne sera chrétienne que s'il y a des chrétiens en Europe qui s'engagent dans la cité et qui témoignent de leur foi. Ainsi se clôture notre réflexion triennale sur l'Europe. Mais l'aventure des congrès de la Basilique n'en sera pas pour autant terminée. 2014 élargira notre vision chrétienne européenne. Être un chrétien européen ne consiste pas à bâtir un continent citadelle, un imperium sécurisé ou une église forteresse. Plus que jamais, deux qualités doivent animer le chrétien, la solidarité et le prophétisme. C'est pourquoi notre colloque s'intéressera à nos frères chrétiens du bassin méditerranéen et du Moyen-Orient. Ils sont pour nous ces témoins de ce prophétisme chrétien et un appel à la solidarité.